So today I decided I was going to show you the butcher shop called Talho around the corner where I live in Palmarejo, Cabo. And what actually is very exciting about this video is the fact that I tried to make some kind of comparison between the butcher shops we have in Nigeria. But yeah, so coming here to Cabo and seeing this butcher shop just around the corner looking so clean and so modern, having everything you could possibly want, was really exciting. I was like, oh my god, this is really amazing. So I asked the manager if I could make a video, and he said sure. So I'm here. So I'm just gonna show you real quick what it looks like inside. So you just come with me. Tes bras et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché, à part toi, caballero. Non, personne ne m'a touché. On travaille beaucoup de choses, c'est-à-dire pâté, jambon, tous les bocaux comme ça. Bon, ça, c'est des produits espagnols, c'est du serrano. Le jambon de serrano, après tout, on se fait le boulet, viande. Bon, on se fait la poitrine fumée, le jambon fumé. Bon, ça, c'est le fromage français. Ça. Et vous nous importez de France, oui. Ça, ça vient en avion. En avion, après, on a du vin français, on a le champagne français, le vin portugais. D'accord. Et toute la viande ici, c'est une viande fraîche. Et toute nationale. Okay. Tout vient de pays. Après, c'est travaillé à l'européenne. Et puisque bon, on a de la saucisse fraîche, on a des merguez, bon, tous les poulets là sont frais. Après, nous on te fait des rôtis comme ça aussi. Et tout ça, c'est de l'agneau. Okay. L'agneau d'ici. Là, c'est des petites de salades qu'on fait nous-mêmes. Voilà. Après, on a tous les produits ici qui sont des haricots. Et haricots à la graisse noire, là les farfelés, pour les portes de France, ça c'est des produits français, d'accord. Okay. Ça c'est des raviolis, le confit de canard, le cassoulet de chez nous, il y a des champignons de Paris, il y a des boîtes de pâté, des rillettes de canard, la mousse au foie de volaille, pour les cornichons, les sauces pour le verre, pour la viande. Ça, c'est tous les sirops importés de France et toutes les confitures de France. Oui. Parce qu'on a, un bateau, un conteneur qui est arrivé juste avant. Oh. On a eu de la chance. Okay. Voilà. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu tous ces produits. Okay. Mais voilà. Parce que ça vient en bateau. Tout ce qui est charcuterie, saucisson, tout ça, et fromage, c'est un avion. Ok. Voilà. Avez-vous d'autres boucheries comme ci? Non, il n'y a que ce plat. Oh, wow. Ouais. Ok. Mais c'est bon, merci. Voilà. C'est bon.